la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine. Salam, j'espère aussi que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est barbecue. Oui, mais Yacine, à chaque fois, chaque année, c'est vous le faites. Maintenant je suis grande, maintenant je vais le faire toute seule. Tu vas faire le premier barbecue de ta vie? Ouais. Oh là là, ça va être incroyable. Donc Myriam va aller faire son premier barbecue. Par contre, ça risque d'être catastrophique. Dès à présent, like, abonne-toi. C'est parti. Ramène mes duos, ramène mes duos. T'as bien mangé l'autre fois? Bah désolé, je les ai pas là sur moi. Tu vois, mais pourquoi tu les as fait une semaine? Tu me dis t'as pas, Omar. Je suis habillé en tenue de foot, désolé. Mais ramène mes 10 balles. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais comment ça, c'est pas bien? Les gars. Moi, je vais faire mon propre barbecue toute seule vu que je suis grande, ça y est. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je sais faire un barbecue. Tu sais rien faire. Toi, mais le feu, le charbon, tu sais pas faire du barbecue, mais. Si, tu fais ça. T'es sûr? Ouais. En vrai, c'est bénéf, elle fait barbecue, sandwich, merguez. On se met bien, elle fait le barbecue. Oh, écoute-moi mais... bien, on lui fait signer un truc. Vas-y. On va te faire signer un truc, si t'arrives quelque chose, c'est ton problème. Vas-y. Tu fais le barbecue. Ouais. T'es entièrement responsable de ce qui va se passer. Ouais. Ok. Bon les gars, on lui fait confiance, elle fait le barbecue. Ah, et ça va mon cousin? Comment on fait un barbecue? Tu fais un barbecue, Meliem? Bah oui. C'est tout un art. Ça, Meliem, c'est la pète, la formule. Mmh. Ça se respecte. Ouais. Si tu veux faire un barbecue, comme on est des bons gros dans la famille, on aime la bouffe, tu dois respecter. Ça s'appelle comment ça? Une grille. Une grille. Pour poser. Les merguez. Et là? Viande. Voilà. Et ensuite, le plus important. Respecter la viande. Respecter cette cuisson. Et le feu après, quand il monte, avec la chaleur et les merguez. J'ai faim en plus. Younes va bientôt manger. Les gars, en fait, c'est facile un peu de faire un barbecue, mais j'espère que je vais pas me cramer la deuxième main. Étape numéro 1, ramener la viande. Ouais, tu m'as appelé, il y a de la viande. Ouais, tout ça, c'est pour toi. C'est pas du dinosaure ou du canard. Je sais pas si c'est du cheval. Non, je rigole, c'est de la viande. Eh oh, t'as pris ma viande là. Attention. Écoute-moi bien. Quand il y a de la viande dans la maison, c'est pour moi. Vas-y. Pas là-bas, les gars. Allez les amis, on va manger du barbecue de Myriam. Oh, Aïssa, il m'a expliqué, mais j'ai pas très bien compris. Pour allumer le barbecue? Ouais. C'est très simple, déjà on a besoin d'un feu. Sans feu, le charbon il s'allume pas. Il faut un feu. Et quand tu vas allumer, feu il monte et il monte. Il va monter très haut. Mais je t'explique, c'est très important. Pour allumer, qu'est-ce qu'on va faire? Pour enlever la grille, tu racles. Le feu il monte. Et après, quand le feu il a bien pris, les charbons ils ont bien brûlé, tu déposes ta viande. Si je mets ma main elle brûle. Oui, ta main elle crame après. Ah. Allez, bonne chance, Mélim. Je sais pas comment on allume un briquet. Dans la caserne. Je pense que c'est de l'eau à l'intérieur. Ça, normalement, faut le faire cuire comme ça. Je pose dessus. Eh hey, les gars, c'est compliqué de faire un barbecue, moi. Mais moi, je suis pas cuit, je suis pas pâtissière. Ça passe pas. Oh, j'ai une idée, j'ai mieux qu'un barbecue. De toute façon, ils vont rien capter. Les gars, vu que je suis pas barbecueuse, et je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre la viande, je vais la mettre au four, et comme ça, ils vont se douter de rien. Par contre, tu mets la viande comme ça. Et ça part pour une heure au four. Les amis, qui dit barbecue, dit baguette. Là, on va acheter du pain. Pendant que Myriam prépare, nous, on va ramener le pain, comme ça, on va faire des bons sandwichs. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Merci. Eh les gars, c'est trop dur de rentrer dans une boulangerie et de pas acheter de gâteau. C'est vrai, mais moi, le plus dur pour moi, tu sais, ça a été quoi? Ça a été ça. La glace à l'italienne. Oh là, c'est mon péché mignon. T'inquiète, brochette. Myriam, elle va nous mettre bien dans. Eh, tu penses vraiment qu'elle va assumer les brochettes? Je vais mettre la mayonnaise. Ouais, on peut tout mettre. Ah, tu penses que Myriam, elle va bien réussir? Bah ouais, je pense. Eh, c'est même pas faire des œufs. Tu lui dis de faire un barbecue. Tu me l'as pas dit. Mais je savais. T'arrive. Pourquoi nous? Pourquoi nous, on est des comme ça, on grossit pour rien? Tu veux. Mais prends des bois. Tu veux pas prendre des boissons? Si, ils sont où? Mais pourquoi tu t'insultes? Prends un petit jus, c'est pas grave. Toi, tu cherches quoi en fait? Tu cherches quoi? Du zéro sucre. Ah, tu veux pas grossir? Ouais, voilà. D'accord. Tout ce qui est ça là, ça fait grossir ça. Je pense bien. Bien, je connais, c'est mon taquet. Les zéros, je connais. Ouais. C'est vrai qu'avec un barbecue, il faut de la boisson. Bien sûr, il faut de la boisson. Faut que je puisse me désaltérer. Il y a du gazeux en zéro, j'espère. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ça, les gars, c'est le jus. Vu que Issa, il a dit ça, c'est que du sucre. Il peut pas prendre pour l'instant. Là, tu fais un régime. T'es un peu en perte de poids. Wallah, t'as maigri là, ça. Merci, mon frère. Tu veux aller à combien de kilos? Ouais, comme avant, 75, 80, on est bien. Bah, ça va d'ici un an. Un mois. Alors là, si tu veux, t'as du Pepsi zéro sucre, zéro. Mais tu prends ce que tu veux. Il y a du Schweppes, il y a tout ce que tu veux. Ça prend jamais ça, Issa Monster. Après. Moi, j'ai déjà goûté celui-là. Tu vas devenir. T'es pas devenu un monstre? À deux doigts. Famille, ne prenez jamais ça. Vous voyez le gros chat là, Crazy Tiger? Deviens. Tu vas prendre quoi? Un petit Pepsi? Un petit Pepsi. Et toi, Younes, est-ce que t'as envie d'un peu de fruité? Bah, moi, c'est bon, je bois dans ton Pepsi. Tu bois dans le Pepsi? Ouais. Tu bois dans le Pepsi? Bah, mais Younes, arrête là, je viens de te dire, je suis en sèche. C'est des glaces. Mais alors, c'est des glaces. Mais ça compte pas. C'est ça compte, s'il te plaît, Younes, pose. Respecte-moi un minimum. Je vais jamais y arriver si vous m'aidez pas, vous aussi. Si on mange pas, on va pas être heureux dans notre vie. Si t'as pris un peu de viande, moi j'ai le barbecue, on a des bonnes. Vas-y, allez, barbecue. Allez. Les gars, mon plan, il a marché à merveille. Regardez, la viande, elle est super bien cuite. Et par contre, faut que je trouve un plan maintenant pour faire genre que j'ai fait cuire dans le barbecue. En vrai, je pense que je mets toute la viande cuite dans le barbecue. Et genre, j'éteins le barbecue. Et genre, en vrai, c'est ni vu ni connu. Après, je mets tout ça sur la table et on va se régaler. Eh, hey, dites pas, tout seul, non, il dit en commentaire, je rigole pas avec vous. Comme vous le savez, pendant les barbecues, c'est toujours la base de taper un petit fou. En plus, j'ai un city stat. Yeah, les gars, on va bien s'amuser là, pendant que la balle.
Et tu penses que tu fais combien de jongles de la tête? De la tête? Ouais. Je pense, si j'arrive à faire 20 jongles de la tête, tu t'engages. T'es dans l'abus, mais vas-y, vas-y. 20 jongles, c'est pas beaucoup? Bah non, 20 jongles, c'est trop. Ah ouais? Les gars, une tentative. 20 jongles de la tête. J'ai besoin d'encouragement. Allez, Younes. Allez, Younes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez! Non! Hey, c'est une dinguerie, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de jongle de la tête. C'est de faire un gage. C'est quoi? Cul rouge. Un pas un fort. Je sais pas, je vais voir. Les gars, je vais tenter une frappe en reprise de volée. Si je la touche pas, m'en voulez pas. Maintenant, viens, on fait des pénalty. Toi, tu tires avec la balle quick et moi, je tire avec celle-là. Mais t'as allez, pas de frappe. Une blague, moi, je me suis grave amélioré en pénalty. Tu t'améliores en frappe. Ouais, je commence ou tu commences? Qui t'a entraîné? Bah, c'est moi-même. Les gars, je sais pas si je tente une petite lucarne, je sais pas, je tente quoi. C'est quoi cette frappe de fou? C'est un coup de chance, je pense. Remets une deuxième comme ça. Les gars, c'est trop amélioré en frappe. Attends, je vais t'en faire une dernière pour te donner le goût du barbecue. Les gars, on va lui donner le bon goût du barbecue. Il va cramer dans la frappe. Tu vas rentrer à la maison, tu vas dire à maman que t'as besoin de lunettes. Parce que le but, il est là. Okay, il est pas là-haut. Va au goal maintenant, va au goal. Je vais mettre une seule frappe. Faut tirer au milieu de la balle. Si elle part bien, il va pas la chercher. Ragal, vous jouez sans moi, attendez-moi. Pourquoi t'as une tête de shooter? Je suis fatigué aujourd'hui. Eh, hey, t'as rien fumé? Non. Myriam, viens voir sa tête. Oh là, elle est pas comme d'habitude. Regarde sa tête, Myriam. Fais-lui un test pour voir s'il a rien fait. Arrête. T'es bizarre. Je suis fatigué, ça arrive d'être fatigué. Myriam, c'est le moment de l'exploser. Pour une fois dans ta vie, tu peux le battre, il est fatigué. Okay. Mettez-vous en face, j'ai un défi de malade. Vous avez une balle dans les mains. Si vous répondez bon à la question, vous avez un point. Plus si vous marquez derrière, ça vous fait deux points. Le premier à trois gagne. Quel est le jour de la rentrée scolaire? Myriam. C'est un lundi. Mais c'est le combien? Le 1er septembre. Ok, un point pour Myriam, faut marquer. Sans regarder, non, tu me regardes moi. Et non, c'est dans le but vert, hein. C'est dans le but vert. Toujours un zéro. Citez-moi trois matières au collège. Yacine. Techno, maths, physique. Carré. Si tu marques, t'as un point de plus. Calme, Myriam, c'est à l'aveugle. Attention, la frappe, c'est raté. Un partout entre les deux. Citez-moi trois poissons qui vivent dans la mer. Myriam. Le requin, le dauphin et le poisson. Quoi? Yacine. Le requin, le dauphin, la baleine. Carré. Attends, il va finir le jeu. Attention, Yacine, la frappe. C'est encore raté. 2-1 pour Yacine. Dernière question, toujours 2-1 pour le joueur français. Attention, citez-moi un jeu qui va sortir à la rentrée scolaire. Myriam. Très bien. Si tu finis, c'est fini. Attention, la frappe de Myriam. Mais c'est fini. A few moments later. J'espère vraiment que ça va le faire, j'espère qu'ils vont pas me cramer. Je vais vous présenter la table en attendant qu'ils viennent. Là déjà on a des belles brochettes avec des merguez. Bah les merguez c'est la base dans un barbecue. Là on a des ailes de poulet, je crois que c'est des ailes de poulet. Des pommes de terre finies, ça se voit quelqu'un il a déjà croqué dedans. Des boissons, des sauces et le pain, c'est la base. Je vais les appeler les gros, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Je suis né pour éteindre. Attends, mais est-ce que t'es sûr que c'est toi qui as fait tout ça là? Oui. Mais c'est pas possible, je t'ai jamais vu faire ça. Elle a réussi à faire tout ça au barbecue toute seule. Inch'Allah, on fera un live, on fera un barbecue en direct. Waouh. Ça vous dérange si je vous apprends la vie, je fais un sandwich? Vas-y, fais un sandwich. Vas-y. Omar, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi tu fais sauce mayonnaise ou ketchup? Moi, c'est plus sauce barbecue. Barbecue. Oh là là. Tout simplement, on coupe le pain. Toi, t'es plus team merguez ou team poulet? Quoi? Je parle à toi. Moi, je suis team blanc de poulet, moi. Blanc, je commence par quoi? Sauce barbecue. Oh, sauce barbecue, c'est la base. Mais comme au quick. Au quick, ils en mettent souvent beaucoup au quick. Encore. Moi, je te recommande de prendre ça. Merguez ou poulet? Mais la cuisson, là, c'est bien passé. De la brochette avec un peu d'emmental. Ouais, ça va, c'est bien. L'emmental, il est là que je te le prépare. C'était un peu dur, mais ça va. Là, la mouche avait grignoté. Ça, c'est un vrai sandwich de papayou. Je travaillais au fast-food, donc c'est avec les doigts. Les doigts pourris, on fait des sandwichs. Voilà, comme ça, comme quelqu'un de raisonnable. Et tu mets comme ça petit à petit. Moi, mais ça a l'air un peu sec. Je pense que je devrais rajouter un peu de sauce. Quoi? Il y a de la curry, il y a de la curry. Chicken curry. Ah, les motorisés à manger quand même. Tu vas taper le poulet. J'ai une question à te poser. Est-ce que la cuisson de Meliem, elle est bonne? Elle est bien. T'as bien cuisiné. Ça ressemble bien les épices du barbecue. Oh là, test Omar, test. Ah, manger debout, sinon Chétan, il mange avec nous. Et le repas que je mange, j'ai pas envie de le manger avec lui. C'est vrai. Il manque quelqu'un là. Il est où? Appelez-le pas, chut. Il va tout manger. Le gros prime. En attendant que Myriam et Yacine y font tout, et moi je fais rien. Je suis parti sur Fall Guys. Je vais les laisser faire tout le barbecue. Comme ça après je vais descendre, je vais manger. Et les gars, c'est la finale. On peut le faire. Il faut faire les gars, c'est ma première finale sur Fall Guys. C'est ma première finale, il faut faire quoi? Ok, je tourne comme eux, les gars, je fais tout comme eux. Si je gagne la finale, c'est... What? Pourquoi il y a une grosse boule de barbe à papa qui vient nous dégommer? Ok, on va essayer de pas se faire dégouler. On va essayer de pas se faire dégommer par la boule. Fait, apparemment, faut rester au milieu. Oui, j'espère qu'on va gagner, il reste 30 secondes à tenir. Dégage, toi. Non, les gars, oui. Oh oui, oh oui. Oui, 3 secondes, 2,
1. Oui, on l'a gagné les amis. Vous m'appelez pas, je suis en train de jouer à Stumble Guys. Oh, allô, Myriam. Waouh. Fort pour une petite, hein. C'est ton café. Barbecue. Et les mouches, gars, moi je vais aussi faire comme Omar, les amis. On va prendre un petit bout de pain et on va mettre un peu de chouette de... qu'est-ce que je raconte, un peu de chouette de dans n'importe quoi. Sauce blanche, comme ma future femme, Inch'Allah. C'est celle-là. Oh, lol. Tu m'as coupé. Younes. Tu m'as fait quoi, Myriam? Younes. Pourquoi mon sang est... Les gars, je saigne de la sauce barbecue. Je suis pas gros à ce point-là, quoi. Regardez ma chambre. Non, je vais manger la sauce blanche. C'est bon, je suis guéri. Mais Myriam, t'es sûr que tu vas réussir à... Regardez les gars, comment elle la géchard. Eh, mais attends, c'est bizarre. Parce que quand on fait un barbecue, normalement, il y a des traces de cramé. Comment t'as fait pour pas qu'il y ait des traces de cramé? Parce qu'en fait, je les ai mis sur une grille spéciale. Mais pourquoi tu croques au milieu? Croque pas au milieu. Là, tu manges tes cheveux. T'en penses quoi? Mais c'est bizarre que c'est pas cramé. Normalement, il n'y a pas les traces du barbecue. Mais pourquoi il est encore propre? Mais comment tu fais pour faire ça? Je l'ai nettoyé. Ah ouais? Dinguerie. Lunette. Qu'on discute. Ah ouais? Je voulais pas dire devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas fait au barbecue. Quoi? Elle a pas écouté les conseils. Oh, il y a les flammes qui sont remontées comme ça, Younes. Mais comment c'est cuit alors? Au four. Pas osé. Au four. T'as pas osé? Il a deviné tout seul, subhanallah. T'as fait ça au four? Non. Quoi? T'as pas osé? T'as pas fait ça au barbecue? Mais c'est pour ça qu'il y a pas le goût de fumée, Myriam. Mais là, t'as fait une dinguerie là, normalement, c'est au barbecue qu'on mange ça, c'est pas au four. T'es puni de sandwich. T'es puni. Dun, t'es puni. Dégage, voilà. Comme la vidéo. Au four, elle a cuit ça au, des merguez au four. Oh, alors. T'aurais dû nous le dire plus tôt. Faut pas garder des secrets dans la famille. J'ai peur. Ça m'a coupé l'appétit. Voilà. Et sort. Pourquoi? Assis-toi. Ah, je sais pas, il va manger avec toi, il a pas... Eh les gars. Eh, c'est un pistolet. Non, c'est pas pareil. C'est pas au barbecue, ça se voit. Ça se voit. Y a pas le goût fumé, y a pas le goût. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'elles sont toutes blanches. Ouais. En vrai, ça m'a vraiment coupé l'appétit, les gars. Ça m'a coupé l'appétit, moi je vais y aller. Vas-y, Younes, t'as l'air, Inch'Allah. On a toute la bouffe pour nous. Eh, mais attends, toi, t'es dégueulasse, m'avoir balancé, t'es dégueulasse. Non, ça, je suis dégueulasse. Toi, t'es dégueulasse, ça veut dire que tu fais au barbecue et pas au four. Et tu fais au four. Bah, et alors, moi, je sais pas gérer un barbecue. C'est vrai. Et déjà, soyez content, je vous ai fait cuire la viande. C'est vrai aussi, merci. Pour gagner mon sandwich. Reprends-le. C'est ton seul sandwich, prends-le. Je l'ai pas. Il est là-bas. Non, c'est Arisa. Younes, viens là. Je savais pas que t'es une balance, tu me dégoûtes. Laisse-moi manger, merde. C'est même pas cuit au barbecue, alhamdoulilah, je peux pas manger. Mettez un like, abonnez-vous. La prochaine fois, c'est moi, je vais faire le vrai barbecue. Et je vais vraiment faire le barbecue avec les flammes. Moi, je vous laisse là. Ciao. Myriam, tu me déçois.